Eh bien bonjour. On se retrouve avec Nevia. C'est moi. Incroyable, Nevia, regardez-la. On est sur la suite de Neverwinter. Une semaine après. Coup de micro-session. Alors au niveau des quêtes, bon, on est toujours dans la même zone, hein, la zone du North Dark. Les grottes aux murmures. J'ai la quête de cartographier l'Outre-Terre, Nevia elle l'a terminée, elle a récupéré ses 10 cartes. Bravo à elle. Bravo à moi. Là où il me reste encore une à choper, donc il faudra qu'on revienne à un moment donné au niveau du Mission Giver pour pouvoir recevoir ma récompense, parce que c'est important. Et nous avons également l'accès à notre prochain Mission Giver, à savoir Jasper Steele, dans les mines d'Ouerkar. Ce que nous allons faire, bien entendu. Alors c'est par où? Par là-bas. Moi je te suis, hein, comme d'hab. Ah oui, suis-moi. Tu ne regretteras rien. Attends, faut que je te mette en chef de groupe. Mets-moi. C'est un peu bizarre. Allô? Bonjour. Oui. Pop. Ouais, c'était bonnes les pizzas, mais elles étaient conséquentes. Hein. Oui. Fortement conséquentes. Je me sens un peu lourd. En même temps, t'as mangé beaucoup, hein? C'est vrai. Ah non, on a mangé pareil, attends. Oui, on a mangé pareil, trois parts. Ouais, sauf que moi, j'ai retiré le fromage de ma dernière. Devlin envoie du renfort. Bien. Cela devient de plus en plus intéressant. Nouveau Mission Giver, il est un peu pour toi. Hein. Tout vêtu de cuir. Un peu assassin d'arc. Un peu ton truc, ça, non? Bah, en tout cas, j'aimerais bien avoir ses vêtements. La maison Xorlarine cherche à se renforcer après son échec à la surface. Les armes et les armures d'Ouergar les aideront beaucoup pour accomplir leur dessein. Les drôles ont envoyé leur prêtresse de haut rang pour s'occuper des détails quant au paiement et pour surveiller le transfert. J'aimerais que vous mettiez fin à leur réunion. Et soyez sûr de ne laisser personne en vie pour raconter tout ça. Ok. Oula, il y a plein de quêtes autour du feu là. Essayez juste d'imaginer ce que devrait. Les Ouergar progressent trop vite dans les mines et la forge. C'est une mauvaise nouvelle pour nous. Et bientôt pour le monde entier. Le minerai brut provient des profonds puits en bas. Et les Ouergar ont construit des grues pour les aider à hisser les cargaisons. Sans ces grues, le minerai devra être transporté sur le dos des mineurs. Cela porterait un grand coup à leur efficacité. Il vous suffit donc de détruire les mécanismes des grues. Cela fera tomber les plateformes au fond du puits. Vous sentez ça? Saleté de Ouergar! Ils se mettent toujours au service du premier tyran venu. Qu'est-ce que tu... Les gens les appellent les lingris. Rien, c'est juste que ton perso était un endroit qui donne l'impression qu'il est très très proche de mon visage. Ah bah écoute, faut déplacer ton visage alors. Enfin, mon visage à moi, mon visage d'humaine. Ah! Tu es donc un maximum de Ouergar dans les mines. Mais je suis dans l'écran normalement. Bah t'es dans l'écran littéralement. Je vois ta tête en très très gros. Voilà, c'est bon. Bah là maintenant je vois plus rien, mais sur le coup ça m'a fait un peu peur. Bon, on a donc une prêtresse drow à buter, des Ouergar à buter, et des mécanismes de grue à buter. Eh ben ça fait beaucoup de choses à buter. C'est vrai. D'avoir la prêtresse, c'est ça? Bah ça va être dans des zones, donc on va voir sur quoi on tombe en premier. Et les pip. Bah, il y a une prêtresse là, bonjour. Ah oui, faut en trouver. Je pensais qu'il fallait en trouver une en particulier, mais en fait, c'est n'importe laquelle, c'est ça? Oh oui, c'est une prêtresse, hein. Pas de soucis. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il faisait mal maintenant. Ouais, c'est pour ça, faut se concentrer un minimum, hein. Ouais, la vie, ça va bien, tranquille, mais pause. Terrible. Je suis resté dans les AOE. C'est terrible. Mais...
plus, mon sort de vampirisme, il est devenu un peu nul. Oh. Nevia dénonce. Bah ouais, avant, je pouvais vraiment... Oh, j'ai fait un score de 100. Voilà, ton sort de vampirisme, envoie-le-moi, pas de soucis. Tu fais toujours 100 en début de session, j'ai l'impression. Oui, après je fais 2. Après, je regarde pas, généralement. Ouste les mineurs et les gardes. Excellent. Excellent. Ah bravo, score de 58. Oh là, on a deux groupes en même temps là. Désolé. J'ai pas pris les plus proches. Comment oses-tu ? On s'en sortait trop bien, c'est ça. J'accuse moi-même. Et pour me faire pardonner, j'ai eu sorti mon ulti. Ah, c'est bien. Fais mal ton ulti, hein. Bah, et apparemment, ça va, hein. Ah bah voilà, truc de grue là. Ah, truc de grue. Un mécanisme en moins. Un autre truc de grue par là. Apparemment non. Après une réflexion, le conseil s'est renseigné. C'est un non. Hein. C'est non. Il y a du monde, hein. Ah, j'avoue. C'est compliqué. Mais ils sont tous pris au monde à eux, donc je suis plutôt content. Ah, mais toi, quand ils sont nombreux, c'est plus facile. Alors, comme tu y vas pour m'enlever tout mon mérite, là. Ah. Objectif accompli. Qu'est-ce qu'on a accompli? Bah je sais pas, moi j'ai... Oh, j'ai toutes les cartes. Ah, c'est le pot de vin. J'ai toutes les cartes. Ah, bravo. Merci, merci pour tout. Merci beaucoup. Je te félicite. Bon, par contre, pas encore les mécanismes. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné en faisant un 7. Donc je sais pas combien t'as fait, mais... Le combat de Malmoul, quoi. Ils sont sympas les mineurs, ils restent bien autour de Fitz. Bah oui, non, ils sont bien, hein. On est tranquille. Ah bah là-bas, il y a des grues là. Je les vois. Des petites pattes ta grue. Très bien. Aïe. Bon, par contre, eux, ils ont pas envie d'aller sur Fitz. Hein. J'avoue que c'est un peu beaucoup sur moi là. C'est un peu belliqueux, un peu... Ils veulent te sentir de plus près. Ah, je comprends ça. Moi-même, si j'avais cette capacité. J'avoue, j'en profiterais tous les jours. Oh, je gagne toutes les améthystes. C'est faux. Je gagne presque toutes. Là-haut, il y en a d'autres. Sur la montagne. Bon, la colline, en tout cas. Hein. N'exagérons rien. Ah oui, c'est vrai, on est sous terre là, ou on est en... Oh, on est dans une grotte, ouais. Enfin, dans une grotte, on est dans une montagne. Je crois. Dans une montagne. Je crois qu'on est dans une montagne, hein. Je sais pas, ouais, c'est chez toi ici, hein. C'est toi qui devrais me dire. Non, mais je me demandais si c'était au-dessus du niveau de la mer ou pas. Bah, ça dépend d'où est la mer.
Alors la mer, généralement, elle a un petit peu la même hauteur partout, non? Oh, je suis sûr qu'il y en a certaines qui s'évaporent plus vite que d'autres. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de, du niveau de la mer, pour dire des choses. Des choses. Je sais pas, me réfléchir et bah me écoute, battre en même temps. Trouve une mer. Et on compare. On voit où est-ce qu'on se situe par rapport au niveau de la mer. En tout cas, on est au-dessus du niveau de la lave. Ouais, mais au niveau de la lave... Je peux déjà te dire ça. C'est de l'info, hein. Moi, je donne de l'info. Je fais tout ce que je peux. Ah, mais j'ai pas vu, on a tué tout le monde qu'il nous fallait, en fait. Ah oui, oui, là, je viens de tomber de cheval. Eh bah, je suis très contente. Quoi? Bah oui, y a pas de raison que ça arrive toujours au même, quoi. Ça tresse. Autrement dit, à la même. Pendant ce temps, Paulina a obtenu un bébé gorille. Ah, Paulina, bravo, Paulina. Si jamais tu nous écoutes, avant tout, félicitations. Paulina, reine du bal. Bon, je vais vite parler au mec pour les cartes, là. Ah, vas-y, vas-y. Mais vite fait, hein, promis. Je m'éternise pas, s'il me propose du thé, je dis non. S'il veut me parler de Paulina, bon, ça sera compliqué parce que c'est quand même passionnant comme sujet, mais bon. Bonjour, les cartes, c'est pour qui? Ah, c'est pour toi. J'ai dédié ma vie à bien joué, bien joué. Qui sait quelles régions inconnues sont écrites sur ces cartes? J'ai hâte d'aller les explorer en détail. Oui, va explorer, ça va être énorme. Tu vas kiffer ta race. Bon, maintenant, allons parler aux gens importants. Parce que l'autre, avec ses cartes, là... il est bien sympa. Un objectif court, concis. Il faudrait le donner à des gens qui peuvent looter des cartes. Il va y avoir plein de quêtes à prendre, hein, je te le dis. Quoi? Bien joué. Cela va prendre longtemps au Dwergar pour remonter les grues depuis le fond de ses puits. J'aurais aimé voir leur tête quand les grues se sont écrasées à des centaines de mètres plus bas. Ah oui, déjà le mec des grues, il en a deux nouvelles, quoi. Ma sœur les déteste. Incroyable. Mais c'est vrai que les Dwergar ont c'est du fou, sang fou. Qui coule dans leurs veines. Et cela en fait de bons forgerons. Voilà pourquoi les drows se sont alliés avec eux. Ils veulent des armes et des équipements de qualité. Il serait bon de récupérer ces équipements pour la guilde et ses alliés, plutôt que de les voir aux mains des drows. Si vous parvenez à récupérer des composants d'armes d'Wergar, je vous récompenserai. Vous les trouverez aux alentours des forges du Crozet, et également sur quelques d'Wergar. Ok. Cette partie de l'Underdark est connue pour ses minerais. C'est la raison qui a amené les Dwergar à s'installer dans ces grottes au murmure. D'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, les Dwergar ont fabriqué de puissants alliages grâce à ces minerais. En fait, j'aimerais aller y jeter un coup d'œil, par simple curiosité professionnelle. Pendant que vous êtes dans le creuset, pourquoi ne pas récupérer un échantillon d'alliage? J'en serais très heureux. Ok, ensuite, Gwyn. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Gwyn? Ah, on respire mieux maintenant qu'il y a moins de Dwergar. Oh, vous êtes un véritable atout. Les Dwergar font de sacrées bonnes armes et armures pour une bande de dégénérés. Je pense que la plupart d'entre eux ne savent même pas comment utiliser un marteau sans se broyer un doigt. Mais parmi eux, on trouve un ou deux maîtres forgerons qui s'y connaissent un peu en matière de métal. Si vous alliez tuer ces forgerons, les Dwergar fourniraient certainement des armes de moins bonne qualité. Qu'est-ce que vous en dites? Envie de marteler des forgerons? Incroyable, une. Et Jasper? Qu'est-ce qu'il dit, voilà Jasper? Une nouvelle qui me ravit. Avec un peu de chance, les drows blâmeront les Dwergar pour la perte de leur traîtresse. La suspicion fait la loi chez ces gens-là. Concentrons nos efforts pour mettre fin à une autre de leurs réunions. Les révélations du pauvre Mandrake à propos des flagelleurs mentaux confirment les dires de notre éclaireuse Holly Tinkerstone. Elle a dit que les monstres à tête de pieuvre avaient été vus dans le creuset. Peut-être devriez-vous aller y faire un tour,
et abattre un de leurs oppresseurs flagelleurs mentaux. Avec un peu de chance, vous pourriez enrayer leur plan avant qu'ils ne le mettent à exécution. Ah oui, on va battre des Cthulhu, quoi. C'est incroyable. Sympa, les Cthulhu. Ah bah là, visiblement, ça va surtout se faire tataner par des beaux gosses et des incroyables sorcières. C'est quoi là, ton nom de classe, quoi? Ensorceleuse, sorcière? Comment dire, je ne suis pas vraiment officiellement. Attends, j'essaie de me rappeler de retrouver où c'est écrit. Putain, c'est où? Dans le pouvoir? Ah voilà, je. Non, je suis pas sorcière. Je suis sorcière, mais il y a autre chose, non? Attends. Je sais pas, moi je te pose la question. Mais si, je t'avais dit le nom et t'avais dit oh, c'est classe alors que toi c'est nul. Ah oui, ça c'est ton nom parangonique. Chantre de l'enfer. Oui, mais ça, c'est, voilà, ça c'est ta classe spécialisée, ça. Bah sinon il y a écrit je suis une sorcière, c'est un peu nul. Oui, voilà, ouais, de base c'est sorcière, quoi. Même pas sorcière, en plus sorcier, s'il te plaît. Sorcier, non mais après, bon, t'es sorcier, hein. Moi je dis au moins, t'as pas de question de sexe, quoi, tout le monde est sorcier. Tu veux être sorcier, t'es sorcier, hein. Mais oui, mais bon. Après oui, c'est vrai que tu es chantre. C'est ça, un chantre de l'enfer. Qu'est-ce que j'ai fait, mauvais côté? C'est très étroit. Hein. Oui, c'est très étroit. Non, ouais, je pense qu'on est sous terre, là. Définitivement. Ah, par rapport au niveau de la mer, tu veux dire? Oui. Oui. Donc on est sous mer. Sous terre de sous mer. Compliqué. Oh, une autre quête. Bonjour. J'ai juré de m'opposer aux pouvoirs infernaux malgré l'héritage qui m'attend. Ok, énorme. Salutations, mon brave. Je suis en mission sacrée pour débarrasser le monde des artefacts diaboliques. Kate, qui m'a mené à chercher le parchemin d'invocation ignoble. Les rituels que contient ce parchemin permettent d'invoquer le puissant diable des neuf enfers. Il doit être détruit. Mais, hélas, mon malheureux héritage diabolique me trahit. Plus je me rapproche du parchemin, plus la tentation de me l'approprier grandit. Je sais qu'il se trouve entre les mains de l'un des théurges d'Urgar qui habite ces mines. Pourriez-vous le récupérer pour moi? Mais bien sûr, on va te donner ce qui te tente tant. Mais il va le garder pour lui après. Bah après, il va être encore plus tenté. Hein. Il va regarder le parchemin et il va faire... Nani. Et après on devrait le battre, quoi. Voilà, il va faire des gros plans là, j'avoue, dans mon dingue. C'est quoi, c'est un maître forgeron, meurs. Meurs, tu es un maître, tu es beaucoup trop doué dans ce que tu fais. Nani. On l'avait regardé ensemble ou pas la trilogie, je sais plus. Non mais si tu veux j'ai vu les DVD de la version longue. J'ai vu que t'avais les DVD de la version longue. Que j'ai vu d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'un film fait 4 DVD. Ça c'est comme les jeux sur la première PlayStation là. Voilà. Mettez le nouveau CD. Alors, je m'en étouffe. Ah, y'a Bobby. C'est vrai. Cœur de pierre. Ah, Bobby. On s'en souvient tous de Bobby. Hein. De sa casquette. Il est devenu quoi, Bobby? Ah oui, il est mort. J'avais oublié. Je sais pas de qui tu parles. Dans Supernatural. Ah! Bobby. Oui, il est... Non, c'était pas ça? Je sais pas, moi j'étais allé plus loin que toi, du coup je sais pas où est-ce que nous on est censé arrêter. Je crois que c'était devenu un esprit. Enfin, qu'il y avait un truc de. Il voulait pas le laisser mourir, c'est devenu un esprit. Il y avait des risques qu'il devienne un esprit vengeur, mais. C'était quoi les méchants à ce moment-là? Je crois que les méchants c'était les trucs en goudron là. Les Léviathans? Ouais. Léviator, ouais. Léviator, c'est un Pokémon, par contre. Mais Pardon. Allez, dans un coup-feu, ouais. Non, mais c'est tellement classe comme nom que ça peut pas... Ouais, c'est... Alors que c'est des petites merdes en pétrole, là. Hein. C'est des parasites.
C'est des cacas. Oui, oui, tu peux aussi partir dans ce délire. Est-ce qu'il y a des trucs à ramasser en particulier ici, d'ailleurs? Il y a... Alors, je sais pas dans quelle zone on est, c'est un peu... Qui a dit ça? Qui a dit qu'il n'est pas vrai contre nous, là? Bah, je crois qu'il y a le monsieur Bobby, là, qui fait des choses. Mais qui êtes-vous, Bobby? Parce que moi, d'un coup, il y a mon niveau qui a dit que vous êtes baissé au niveau 59, ou je sais pas quoi, et toi aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et on combat des choses sans vraiment savoir pourquoi. C'est vraiment incroyable, hein. Mais c'est quand même pas la première fois qu'on voit des gens qui déclenchent des quêtes et que nous on les fait pas ces quêtes là. Enfin genre on les a pas encore eues. C'est quand même étrange hein, sachant que ça nous baisse le niveau. Bah ouais mais du coup on participe hein. L'important c'est de participer. Je vois toujours pas les barres de vie des trucs hein, soit dit en passant. Ah si moi je l'ai tué glabreux... Glarbeveux... Glarbeuf... le démon quoi. Ouais Léviathan ouais. Bon voilà. Ouais, du coup, tout ça pour dire, je sais pas trop ce qu'on est censé récupérer. Enfin, il y a plein de trucs qu'il faut qu'on récupère. Il y a des échantillons d'alliage. Faut tuer des maîtres forgerons. Donc là, on est en train de le faire, hein, c'est génial. Surtout, continuer. Hein. Faut qu'on collecte aussi des composants d'armes. Et qu'on tue un oppresseur flagelleur mental cthulesque. 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 Cthulhu, Cthulhu. Cthulhu, 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 Cthulhu. Je me suis retenu de la faire tout à l'heure, mais là tu commences à faire tout. Voilà. Alors là, elle ne pouvait plus. Elle a failli exploser, rendez-vous compte. Oh, salut Arthur. Salut. Je ne connais pas le prix du compagnon tigre de Schult. Pas oh, alors là, aucune idée. On n'a rien acheté dans le jeu, donc on ne connaît pas les prix. Oui, puis déjà de base, les compagnons, on n'y comprend pas grand-chose, hein, on va se l'avouer tout de suite. Moi j'ai un chien. Moi j'ai un homme. Et j'ai jamais réussi à l'avoir sur la dernière entrée de sa liste déroulante là. Donc à partir de là. Ah mais ça faut payer, c'est pour ça non? Ah, c'est peut-être pour ça. Bah en tout cas, c'est ce qui serait logique. Voilà où on en est. Mais bon, c'est juste pour qu'il ait une jolie tenue quoi. Ah oh, pardon, pour moi c'est un homme donc il aura une meilleure tenue, toi c'est un chien donc. Écoute, je peux lui mettre une tenue si je veux hein. Y'a pas de raison. Ah ça, il était petit non au début je crois. Son prix au module 16. Oh là là là. Alors non, c'est parce que c'est un module hein donc. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Que tout le monde se calme ici. Parle-t-on du même jeu? Faut savoir qu'on est passé à côté de beaucoup de features nous hein. On a avancé sur l'histoire mais. C'est là-dessus, je suis en train de me faire défoncer. T'es où? Ah t'es là. Bon t'es tout seul, comment tu peux te faire défoncer? Bah avant il y avait des gens autour de moi, maintenant ce sont des objets par terre. Oh, oh c'est vrai qu'il y a plein de trucs par terre. Eh oui, et c'est du loot pour les quêtes, hein. Ça c'est beau, on apprécie. Ces choses,